On a une écharpe, des écharpes et des bonnets. Ça vous ferait plaisir, mon amour ? Bleu. Une soupe ou encore un café, c'est ce que proposent les bénévoles de la Croix-Rouge de Rennes dans le centre-ville deux fois par semaine. Et en cette période de fête, ils sont particulièrement attendus. Ouais, voilà. On est content de les voir, bon, de discuter, voilà, et puis un petit café, voilà, un petit truc, voilà, c'est sympa, quoi, voilà. Bah oui. Ouais, ouais. Puis quand ils récupèrent, ils disent des sandwichs ou quelque chose, mais bon, voilà. Après, tout est comme ça, quoi, voilà. En parallèle, la Croix-Rouge organise des collectes partout sur le département. Les cadeaux seront ensuite redistribués aux enfants dont les familles sont dans le besoin. Mais l'échange se fait aussi dans les deux sens. Ce qui est important, c'est d'être dans l'écoute. Pour moi, c'est essentiel. Après, toutes ces personnes qui viennent à notre rencontre nous apportent énormément. C'est une grande richesse de les fréquenter. Des maraudes sont prévues pour distribuer des plateaux repas et des ballotins de chocolat les 24 et 31 décembre.